Salut tout le monde, c'est un jour un booster. Aujourd'hui, on est vendredi 20 octobre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert de mythique. J'espère qu'aujourd'hui, ça va être le cas. Et j'espère que je vais avoir du gros dans ce booster parce que c'est la fin de la semaine. La semaine a été rude. On va arriver aux Unco. Alors, c'est parti. Appel du capitaine sinistre. Pour 3 manas dont un noir, envoyez dans votre main une carte de pirate depuis votre cimetière, puis faites de même avec un vampire, un dinosaure et un ondin. Oh, je vois pas dans quel deck c'est jouable, mais bon, l'illustration est sympa. Ah, ça c'est bien. Une super bunko. Terranulius. Donc, elle arrive sur le champ de bataille. Vous choisissez une créature. Donc, soit vous ajoutez un mana incolore à votre réserve, soit vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix, que pour lancer les sorts d'une créature du type choisi. Donc, dans les decks type ondin, pirate, vampire, slivoïde, tout ce que vous voulez, ça va dans n'importe quel deck. Donc, ça, j'espère en avoir un paquet. C'est coté en plus, donc c'est pas mal. Pour de vampire et soldat. Chaque fois qu'elle attaque, elle gagne plus de plus 0. Vous payez 4 points de vie. Elle acquiert l'indestructible. Pas mal. Et la rare. Le capitaine Lanneret Tempeste. Humain et pirate. Créature légendaire. Avec la célérité. À chaque fois qu'elle attaque, vous créez un trésor. Et à chaque fois que vous sacrifiez un trésor, elle est boostée, elle gagne plus 1, plus 0. Jusqu'à la fin du tour. Dommage que ce soit pas des marqueurs plus 1, plus 1. Sinon, elle se gérerait toute seule. Oh, et une île foil. Et un jeton illusion. Bon, ça c'est pas mal. Je sais pas combien elle vaut celle-ci. Pas énorme a priori. Mais elle est jouable. Dans un deck pirate, elle a tout à fait sa place. Allez, ciao tout le monde, à samedi !